Ah, Coupe du Monde, ouais. Moi, je fais de la politique. Ça m'étonnerait que Jésus reste dans l'histoire. Hein. Je veux dire, c'est... Aujourd'hui, je vous parle en tant que votre président élu pour vous représenter et défendre vos intérêts. Je sais pas à quoi on peut s'attendre pour l'année 2023. En tout cas, je vous la souhaite bien bonne. Je vous la souhaite bien bonne. Hein. Ah, j'espère que vous allez vous amuser. Je suis suisse. 2022 fut aussi une année démocratique intense, au cours de laquelle vous avez renouvelé notre Assemblée nationale et où vous avez, lors de l'élection présidentielle de ce printemps, décidé de me confier un nouveau mandat de 5 ans à la tête de notre nation. C'est marrant parce qu'il dit vous avez décidé de renouveler l'Assemblée nationale. Je suis sûr qu'il aurait pu rajouter vous auriez pu me filer une majorité absolue. Bon, pardon. 2022 fut aussi, une fois encore, une année de rayonnement artistique, culturel, sportif. Ah, Coupe du Monde, ouais. Culturel, artistique, ouais, prix Nobel de littérature, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Le The Event, la Pixel War, Backseat, l'émission Backseat du streamer Jean Massier, effectivement, le GP Explorer, Francky Vincent, qui a été décoré des Arts et des Lettres, Afida Turner, qui a fait rayonner la France aussi, le Bigard de MV. Eh, franchement, cette année, bravo, GG à nous, hein. En réindustrialisant plus vite, plus fort notre pays, pour offrir de nouveaux emplois et des carrières d'avenir. Là aussi, on est dans le macronisme tel qu'il avait été philosophé en 2016-2017. Je caricature la pensée sarkozienne, macronienne. C'est vrai que Sarkozy, il avait créé le RSA. Je suis pas sûr que Macron l'aurait inventé, le RSA. J'ai très envie de suivre ce live enrichissant, mais mon DM de physique m'en empêche. Tu veux pas le faire à ma place? C'est un DM de physique? Eh ben, envoie un selfie, tu vas avoir 20 sur 20. Avec ton physique. Pardon. Il y a aussi des gens qui ont refusé les compromis et qui ont écrit l'histoire. Jésus. Ah, Jésus a-t-il fait un compromis? Non. Est-ce que tu penses qu'il restera dans l'histoire? Ça m'étonnerait que Jésus reste dans l'histoire. Hein. Je veux dire, c'est un prédicateur itinérant juif de la Palestine du 1er siècle qui a eu une carrière qui a duré à peine 2 ans. Le mec a rien écrit. Il a fini condamné à mort et exécuté. Fin précoce de carrière. Je vois pas pourquoi le mec. Ça va pas changer le monde, ce truc-là. Ça dure un été. C'est ça. Moins que le mouvement des Gilets jaunes. Il en pense quoi de la réforme des retraites? Ah, bah, c'est facile de durer dans l'histoire quand on n'a aucun avis à dire sur la réforme des retraites. Tu ne fais pas preuve de nuance en ne souhaitant pas inviter le RN dans ton émission. Ah non, je fais même preuve de discrimination, on peut le dire. Fermeture d'esprit. D'intolérance même. Je suis comme SOS Racisme. SOS Raciste, ça fait quoi? Ça fait 30 ans qu'ils existent. Ils ont jamais invité un raciste à prendre la parole dans leur réunion. Les chantres de la tolérance, finalement. Il y a pire que les racistes. Il y a les anti-racistes. Qui sont en fait les nouveaux racistes. En vrai, cette phrase, elle devrait être absurdement rigolote. Le problème, c'est qu'elle est vraiment prononcée premier degré dans des émissions. Ce que moi j'appelle, mais après on peut ne pas être d'accord, hein, je suis en train de me rendre compte que je suis peut-être tout seul dans mon délire, mais ce que moi j'appelle un discours fondateur pour un politique, c'est un discours qui comporte une doctrine à laquelle on peut raccrocher une action publique qui est menée. J'insiste sur le côté, il faut qu'on ait vu le truc à l'œuvre après, parce que sinon c'est facile de faire un discours fondateur. Hein. Moi tout seul dans ma cuisine, j'en fais tous les jours des discours fondateurs. Vous m'entendriez dans ma douche, je dis des trucs incroyables. Je refonde la République tous les matins. Mais tout le monde s'en branle. Refonde-moi la République. La Croatie fait 20% de son PIB grâce au tourisme. Il était donc très important d'être dans l'espace Schengen et dans l'euro. Moi je suis chaud pour aller faire du tourisme en Croatie. Hein. Si on dit par exemple que je prends le train pour aller à Zagreb, c'est tellement pas cher. Donc on va de Paris à Stuttgart, de Stuttgart à Augsburg et de Augsburg à Zagreb. Regardez-moi cette merveille, regardez-moi les coins qu'on va traverser. Putain, vous êtes badant, vas-y, c'est bon là, je suis en train de me prévoir un voyage de l'espace et vous êtes là en train de dire. Mais c'est de la merde, niquez-vous. Fais un vlog de ce voyage. Oh non, mais je suis nul en vlog. Chaque influenceur montre ce qu'il veut. Hein. Y a des gens, ils ont un corps de rêve, ils le montrent, ils ont bien raison. C'est pas mon cas. Il y a des gens, ils ont une vie de rêve, ils la montrent très bien. Moi, je fais de la politique. Moi, je lis des articles dans le journal Le Monde. C'est tout ce que j'ai à vous de l'offrir. De toute façon, vous venez pas pour mon physique. Vous venez pas pour la beauté du paysage. Vous venez parce que vous voulez savoir que dit le rapport de la Cour des comptes sur la gestion différenciée de la décentralisation entre les territoires ultramarins et les territoires métropolitains. Oh God, yes. C'est un besoin précis auquel je réponds. On est des sociopathes. Ouais. Qu'on est un peu bizarre sur internet. Et du coup, il dit quoi le rapport? Il dit que c'est compliqué. Sur YouTube, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire sous un de mes best-of. Je te découvre, et c'est pas une date qui va me marquer. Niveau 0 de l'argumentation, montage à la James. Mais mec, t'as vu ton âge? Des blagues de vieux cons sur des sujets que l'on ne maîtrise pas. Ça s'appelle un réac, même avec un t-shirt sale et des lunettes dégueulasses. Les mots sont dits, il dit les termes. À un moment, fallait me le dire. Vous êtes tous là, bien élevés, polis, à me mettre des commentaires un peu gentils parce que vous m'entretenez dans mon délire, mais il a fallu qu'à un moment, il y en a un qui prenne la responsabilité de me dire les choses. Du coup, je suis désolé pour mon t-shirt de John et pour mon montage de John. Je suis désolé, hein. Ça va, c'est bon, ça va. Ça me fascine toujours, les gens disent ne pas aimer ton contenu mais prennent le temps de rédiger des commentaires. Ah ouais, non, mais... Alors lui, je lui ai répondu en le trollant, mais d'habitude, je suis à deux doigts de répondre. Bah, c'est gentil d'avoir pris le temps de taper avec ton clavier un message sur un contenu aussi dégueulasse. Bravo pour ton engagement à rendre Internet meilleur. On écoute du coup la réponse de ChatGPT, jusqu'à quel âge est-ce qu'on est jeune? Ok. Indépendamment de l'âge.
D'accord. Je lui dis d'accord. Je suis content que cette réponse vous convienne. Peux-tu répéter la réponse ? Il n'y a pas vraiment de définition précise de l'âge à partir duquel on n'est plus considéré comme jeune. Cela dépend de nombreux facteurs, tels que votre état de santé, votre mode de vie, votre niveau d'énergie et votre façon de penser. Ah. D'autres estiment que l'on peut être jeune à n'importe quel âge tant que l'on a une attitude positive et une approche active de la vie. En fin de compte, c'est à chacun de déterminer jusqu'à quel âge il se sent jeune. Du coup, est-ce que vous avez une attitude positive et une approche active de la vie ? En tant qu'IA, je n'ai pas d'attitude ni de mode de vie. Mon objectif est de fournir de l'information et de l'aide aux personnes qui me posent des questions. J'avais pas compris. J'avais pas compris qu'il avait un micro en fait, que du coup il écoute mon micro et du coup il a tapé la question. Je peux pas parler trop fort parce que ChatGPT il m'écoute. Et du coup, il se prépare à taper la question que je vais lui poser. Du coup, je lui demande quoi ? Qui est Jean Massier ? Je ne suis pas en mesure de vous fournir des informations sur une personne portant le nom de Jean Lassier. Qui est Jean Massier ? Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire par les gens en acier. Si vous avez une question précise à ce sujet, n'hésitez pas à reformuler votre question de manière plus claire. Je sais pas qui t'es, lâche-moi, merci. Qui est Hugo Décrypt ? Je ne dispose pas de suffisamment d'informations sur une personne portant le nom de Hugo Décrypt pour vous fournir des informations précises à ce sujet. Chez ! Quand un streamer connu. Bah, Jean Massier, c'est quoi, connard ? Pardon. Qui est Zerator ? Je ne dispose pas de suffisamment d'informations sur une personne portant le nom de Zerator pour vous fournir des... Non, mais il connaît personne, hein. ChatGPT connaît personne. Le Parti Socialiste Français est-il de droite ou de gauche ? Le Parti Socialiste Français, PS, est un parti politique de gauche en France. Ah, bah voilà ! La loi Travail, en 2016, était-elle une loi de gauche ? Selon certaines analyses, la loi Travail pourrait être considérée comme étant de droite, car elle a été adoptée par un gouvernement de droite, gouvernement de Manuel Valls. Qui était issu du Parti Socialiste et a mis en place des réformes qui ont été critiquées par certains membres de la gauche et de certains syndicats. Ah, c'était sec, hein. Écris un texte qui donne envie aux gens de faire un don pour soutenir l'émission Backseat. Voici un texte qui pourrait donner envie aux gens de faire un don pour soutenir l'émission de Backseat sur Twitch. Vous êtes passionné par la politique et vous cherchez une source d'information fiable et divertissante, alors vous ne voudrez pas manquer l'émission de Baxea sur Twitch. Toutes les semaines, notre équipe de experts en politique vous offre une analyse approfondie des enjeux de l'actualité et vous donne les clés pour mieux comprendre le monde qui vous entoure. Mais pour continuer à offrir du contenu de qualité à nos téléspectateurs, nous avons besoin de votre soutien. En faisant un don, vous nous aidez à couvrir les frais de production et à développer de nouvelles missions pour encore mieux vous informer et vous divertir. Alors n'hésitez pas à nous soutenir en faisant un don aujourd'hui. Votre contribution sera précieuse pour nous permettre de continuer à offrir du contenu de qualité sur la politique et bien d'autres sujets. Voilà, soutenez Baxea en faisant un don, si j'ai bien compris. Imagine que Jean-Luc Mélenchon devienne président de la République. Écrit son discours qui explique pourquoi il a recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire passer sa loi de sortie du nucléaire. Cher peuple français, aujourd'hui, je vous parle en tant que votre président, élu pour vous représenter et défendre vos intérêts. Et c'est dans cet esprit que j'ai pris la décision de recourir à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire passer ma loi de sortie du nucléaire. Je sais que cette décision ne sera pas sans controverse et qu'elle suscitera de nombreuses réactions. Ah, c'est possible. Mais j'ai pris cette décision parce que je suis convaincu qu'elle est dans l'intérêt de notre pays et de notre avenir commun. Je sais que cette transition ne sera pas facile et qu'elle nécessitera des investissements importants. Mais je suis convaincu que c'est un choix judicieux à long terme qui nous permettra de protéger notre environnement et de créer de nouvelles opportunités économiques pour notre pays. C'est pourquoi j'ai décidé de recourir à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution qui me permet de faire passer cette loi par ordonnance. Du tout. Cette décision n'est pas prise à la légère et que je dois en rendre compte devant le Parlement. Non, mais je suis plus. Convaincu que c'est la meilleure décision pour notre pays et pour l'avenir de nos enfants. Je vous remercie de votre confiance et je vous assure que je ferai tout mon possible pour gérer cette transition de manière responsable et juste. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. J'aime bien le discours qui commence par « Cher peuple français ». Chers amis, je vous parle en tant que votre président. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Pas un petit vive la République et vive la France. Thank you.